Radio Luminol avec Alain Dumas est présenté par Accommodation Chaloux. La bière au meilleur prix dans le plus gros des réfrigérateurs. Avec Alain Dumas, un regard coloré sur l'actualité. Bienvenue à Radio Luminol. Encore une fois, mes amis Fred Desjardins, Rémi Tremblay, on est là pour faire ressortir les sujets d'actualité qui ont laissé des traces lumineuses, puis des traces qui nous font sourire. Alors aujourd'hui, en fait, c'est pas les sujets qui manquaient. Je dirais qu'il y en a deux qui se ressemblent un peu, mais on va déblatérer davantage dans quelques instants. Alors je vous les présente, ces fameux sujets. D'abord, bienvenue à ce podcast. D'abord, on va parler de Pierre Gervais. Oui, l'entraîneur, enfin comme un soigneur du Canadien. Préposé aux équipements. Chef d'équipement, ouais, c'est ça. Exact, préposé à l'équipement, qui a sorti son livre « Au cœur du vestiaire ». Alors, on pourrait dire, est-ce que c'est pas au cœur de la polémique maintenant? Parce que, et ça, c'est la question qu'on va se poser ensemble, qu'est-ce qu'on pense de cette polémique qu'a suscité le livre? Parce que on dévoile plein de secrets du vestiaire. Et ça, écoutez, il n'y a pas juste du charme, il y a plein d'autres entraîneurs qui ont été fâchés. Il y a des joueurs qui comprennent pas. Alain, arrête-toi, on en parle dans quelques instants. Deuxième sujet, COP27, COP25, COP15, Cupcake. Écoutez, l'environnement prend de la place. Qu'est-ce que c'est la différence entre ces fameux COP-là? Je vous avoue, au moment où je vous en parle là, je le comprends pas encore, mais Fred s'est occupé d'aller vérifier un peu ce que J'ai fait mes recherches. Tu as fait ces recherches, et c'est surtout qu'on a envie de parler de la place que l'environnement en 2022, bientôt en 2023, et du fait qu'il y a encore bien des sceptiques là-dedans. Alors, on va en parler, et notre troisième sujet, et c'est peut-être c'est celui qui a fait couler le plus d'encre au Québec. Eh bien, c'est, je l'appellerais le sujet, c'est, il y avait MeToo, et maintenant, il y a Not MeToo. C'est-à-dire que cette espèce de nouvelle enquête sur ceux qui avaient dit, qui étaient les victimes, ah, puis là, tout à coup, elles reviennent à la charge. Écoutez, les rebondissements dans l'affaire de Julien Lacroix sont immenses, puis pour ajouter à ça, il y a Fred Dubé, un autre humoriste, blogueur, ou je ne sais trop, qui vient d'être accusé par plein de filles. Wow! On est complètement perdu. Ça nous laisse la bouche sèche. Et c'est pourquoi nous parlerons d'abord de bière. Salut les gars! Fait que je vous parle de la micro à l'affût. Aujourd'hui, ça va être la British, une Bruno Noir. Et la version double British aussi disponible en magasin. Bonne déguste! Oh, une brune aux noix. Ah, ben ça, Fred, on a hâte que tu goûtes à ça. T'sais, les brunes, on en goûte, mais aux noix, c'est rare. Ouais. Les brunes aux noix, là, ça commence à être assez particulier. Mais j'ai hâte de goûter. Oui, on a hâte de savoir ce que tu en penses. Alors, écoutez, le premier sujet, c'est ce fameux livre de Monsieur Gervais du Canadien de Montréal qui s'occupe de l'équipement. Il a été mandaté, enfin, Mathias Brunet de la presse l'agaçait depuis quelques années. Ah, il faudrait que tu racontes ce qu'il y en est, puis tout ça. Bon. Alors, il a décidé, après avoir dit non, il a décidé, ah ouais, je pense que je vais m'y mettre et je vais sortir ce que j'ai vécu pendant tant d'années au service du Canadien de Montréal pour l'équipement. On l'a toujours vu derrière le banc, puis tout ça, puis très aimé des joueurs, enfin, on le sait, très souriant, puis très avenant. Et là, ce livre-là, ben sort, mais tout à coup, étonnamment, tout le monde fait comme, quoi? Il est allé vraiment raconter plein d'affaires du vestiaire, mais des choses qui, à mon sens, peut-être ne devaient pas être racontées. Rémi, toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, j'ai fait un saut quand j'ai vu ça, ouais. Parce qu'ils disent toujours ce qui est dans le vestiaire, ça reste dans le vestiaire, OK? Ouais. Puis là, je regardais, parce que je savais pas trop quel angle aborder, puis hier, il y avait un match du Canadien. Puis là, j'écoutais ça, puis là, je voyais tous les commentateurs qui disaient « ça se fait pas, ta-ta-ta-ta-ta ». Puis j'ai pensé à une... C'est à pas rapport avec ce que j'ai fait, mais j'ai pensé à la dureté du mental. Là, t'as un peu, la dureté du mental, j'ai fait... Coudon, ils sont tous... ils ont tous peur de tout ça. Ils sont tous... Ils sont pas tough, eux autres, en tout cas. Ouais, c'est ça, ils sont pas toughness. C'est ça. Puis là, ils disaient « hey, faut... ce qui reste dans la chambre, c'est la chambre. » Fait que, regarde, j'ai fait « ah ». Je viens de trouver mon sujet. Fait qu'on peut écouter mon petit sujet avec la chambre. Il y a Pierre Gervais dans la chambre qui a révélé ce qui se passe. Les joueurs sont pleins de tristesse. Même Guillaume, la tendresse et tout le vestiaire sont dans l'embarras. Il y a Pierre Gervais dans la chambre qui a révélé ce qui se passe.
et plus personne n'a confiance. C'est-tu de la malveillance? Tu as dévoilé tous ces secrets-là. Là, tu es fâché, tu charmes, ne veux plus te parler. Même Marc Bergevin ne comprend pas ce que tu as fait. Le Canadien est fâché, les médias sont outrés. Le code secret que t'as franchi, le tout m'envahit. Y'a Pierre Gervais dans la chambre qui a révélé ce qui se passe. Les joueurs sont pleins de tristesse, une grande impolitesse, et tout le vestiaire sont dans l'embarras. Hey, c'est bon, Rémi. Je me rappelais même pas de. Je me rappelais juste du refrain de cette tune-là. Ouais. Je savais pas c'était quoi la suite. Tu, écoute, t'es allé gratter ça loin. Écoute, t'as sorti ce qu'il y avait dans chez le disquaire, toi, pas dans le vestiaire. Fred, pour ta part, enfin, quand on avait parlé de ce sujet-là, parce que bon, il est arrivé sur le tard, quand même dans la semaine. Ouais, mais toi, t'as fait comme. Écoute, raconte-le, là, parce que ça m'a interpellé. Ben, moi, en fait, ce que je trouve drôle, c'est que c'est quand même le préposé à l'équipement, là, tu sais. Ça fait que je trouve. C'est pas un peu comme la femme de ménage, ça, je sais pas, dans un. Tu sais, c'est que. Tu sais, il faisait quoi, lui, hein? Tu vois, il donnait le linge au monde, puis il écoutait ce qui se passait en même temps, tu sais. C'est quand même. C'est ça, ouais, je sais, mais dans le fond, c'est un peu Jack Comer, finalement, qui écoutait ce qui se passait dans la chambre, là. C'est un peu ça, là. Fait que je sais pas, tu sais, quel point il faut y donner une crédibilité. Tout le monde a sorti, effectivement. Puis cette année-là, je vous rappelle que quand même, le Canadien est allé en séries éliminatoires. Tu parles avec du charme. Oui, avec du charme, effectivement. Là. Fait que tout ce qu'il a dit, tu sais, oui, je peux croire qu'il avait perdu, qu'il n'avait peut-être pas leur vestiaire, que Bergevin pétait des coches, il claquait à la porte, peu importe. Mais ils se sont quand même rendus à la Coupe Stanley. J'ai de la misère à croire qu'un coach qui a perdu son vestiaire se rend à la Coupe Stanley. Fait que je sais pas, est-ce qu'on va avoir un livre, il faut sortir Bergevin et Ducharme, la vraie vérité, ou je ne sais trop, tu sais, c'est ça l'affaire, là, je veux dire, là, en plus, il y a plein de joueurs qui disent, moi, je l'aimais bien, puis ça, même Duchesne, pas Duchesne, mais Ducharme, il est tombé en bas de sa chaise en disant, je suis sorti de là, du Canadien, tout allait bien, tu sais, ça avait l'air, tu sais, bon, on l'aimait ou on l'aimait pas, Bergevin, moi, je l'aimais au début parce que je trouvais que ça avait l'air d'un playboy, puis ça avait l'air trippant un peu, mais avec ses cheveux longs, tout ça, mais bon, après ça, tu sais, puis l'autre affaire, c'est effectivement, je pense pas que c'est quelque chose qui devait sortir, tu sais, le gars, il a attendu quand même de partir à la retraite pour faire ça, juste un pavé dans la mort, pourquoi faire ça? Alors, je sais pas c'est quoi, il y avait-tu une crotte sur le cœur contre quelqu'un, je sais pas, tu sais. Ce qui a sauvé le Canadien, c'est peut-être Toronto. Ouais, ben, c'est vrai que cette année-là, ben ouais, il jouait juste au Canada. Là, il y a un paquet d'affaires qui rentrent en ligne de compte, mais quand même, il s'est pareil rendu là. Alors moi, vous savez, parce que c'est drôle parce que je m'attendais, Fred, à ce que je pensais quand tu parlais de Bergevin, tu m'avais écrit quelques mots pour dire il y a un playboy. Je pensais que tu disais un peu ou tu avais une perception comme le livre le laisse sous-entendre, qui était bébé, qui était adolescent, puis tout ça. Puis je me disais. Ben, peut-être, mais en même temps, moi, savez-vous, les premières choses que j'ai lues sur ce livre-là, c'est, j'ai lu Régent Tremblay, qui disait, waouh, j'ai capoté, c'est bon. Alors, il m'a amené à être curieux. C'est-à-dire que je lisais Régent, et je me disais, hey, waouh, Colin, il y a des choses qui sont méconnues. Alors, je me suis dit, hey, j'ai hâte de voir ce qui se passe. Mais, j'en savais pas plus. Alors, j'avais le goût de voir le livre. Maintenant, je suis embêté parce que je dis, Colin, ta minute, là, je veux dire, j'ai-tu envie d'embarquer dans ce jeu-là, moi aussi, et de commencer à regarder des choses pour lesquelles on dit déjà, avant que le livre soit vendu presque, dit déjà, on a déjà des bémols sur la véracité des propos. Alors ça, c'est un sacré problème, tu sais. Puis, moi, je me dis, est-ce que ça va déferler encore plus loin que même, par exemple, les ligues de garage vont être interpellées par tout ce qui se passe là? Alors, j'ai pensé inviter quelqu'un, essayer de deviner qui, je sais pas, Fred, tu vas deviner ben, qui Pierre Gervais. Dit. Pierre Gervais, je sais pas, Badaboum. Toi, Rémi, tu penses? Je sais pas, JC, tiens. Non, ouais, JC ou Michel.
Michel Bergeron. Oui, Michel Bergeron. Hey, le tigre. Ce qui me force, c'est que je me dis, on dit tout le temps que ce qui se passe dans la chambre, vous l'avez dit, là, ça reste dans la chambre, OK? Fait que c'est, moi, par exemple, pensez-vous que je trahirais mes boys, les gars avec qui je joue depuis des années dans la ligue de garage? Pensez-vous que je dirais que, qu'un année, Joe Ringuette avait pissé d'une bouteille de Gatorade? Hein? Il avait pissé d'une bouteille de Gatorade jaune, là, puis il l'avait donné à Pete Ledoux? Pensez-vous que je raconterais ça? Je raconterais pas ça, moi, tabaslac. OK, là? Non, pas plus que la fois où Frank Laprise, il avait échappé son savon, là, devant son coiffeur, bon, qui était mis quelque chose. Non, parce que comme le dit le dicton, ce que tu confies à ton coiffeur, ben ça, seul ton coiffeur le sait, OK? C'est personnel. moi-même, on va le dire, j'ai déjà vomi dans un boni, OK? Ah, dans un boni. Oui, j'ai vomi dans un boni, puis ça, là, ben ça vous regarde pas, Asti. L'environnement, on en parle, et puis pourtant, on ne cesse de dire qu'il y a un degré d'urgence, puis pourtant, il y a encore du monde qui tire de la patte, des gens qui veulent peut-être pas comprendre, des climato-sceptiques, mais pourtant, l'environnement compte, il y a le COP27, c'est pourquoi qu'on en parle cette semaine à Radio Luminol, et on ouvrait le bal, tiens, avec toi, Rémi, qui avait peut-être envie de faire un constat sur l'environnement. Ben en fait... C'est sûr qu'il y a tellement de choses qui se passent, puis t'sais, faut le sauver le climat, parce qu'il faut ben oui. sauver le climat, faut sauver la planète, parce que là, à un moment donné, mais il y a beaucoup de choses qui se passent aussi que, t'sais, ici au Québec, oui, on fait notre part, mais à l'extérieur, t'sais, il y a des pays, des fois, tu sais, ils tirent de la patte, ils tirent de la patte pas mal. Ben, je me suis dit, j'ai dit, dans le temps de Maurice Chevalier, là, ouais. Hey, là, on recule en Simonac. Ouais, on recule des 40, les autres, puis tu sais, lui, il y avait, faut pas s'inquiéter avec ça. Fait que là, j'ai fait, s'inquiéter avec ça, ça. Ah, fait que j'ai dit, il faut peut-être sauver le climat. J'ai écouté, là, j'ai fait une petite affaire là-dessus. Parfait. La COP27 n'est pas marrante, c'est comme une grosse maladie. Faut des décisions importantes, il faut éteindre l'incendie. Je suis rendu que ça m'angoisse de regarder cette puanteur, et que par contre les décideurs ne voient pas la chose qui menace. Au lieu de prendre un air embêté, il vaut bien mieux vous répéter: mes amis, dites-moi quoi faire pour sauver le climat. C'est pas un fait divers qui est passagère, faut arranger ça. Mes amis, dites-moi quoi faire pour sauver le climat. Peut-être une justicière ou une policière pour arranger ça. Wow, que j'aime ça. Sais-tu ce que j'aime, Rémi, là-dedans? C'est... On s'en va dans une autre texture, une autre époque, ouais, et on tente de se dire comment ça aurait pu être traité. Et je trouve ça vraiment, moi je suis un amant de cette musique de ces années-là, j'adore ça, et j'avoue qu'honnêtement que je connaissais pas, t'as inventé ou quoi, ou ça existait ce titre-là? Mais non, le titre n'existait pas, mais la pièce existait, c'est
faut pas s'en faire avec ça. Ah, faut pas s'en faire. Non, c'est très bon. Oui, ton clic de départ. C'est un temps moins pollué, en tout cas. Oui, parce que c'est, là, on recule en arrière. Ouais, moi, déjà, quand je suis petit, on est pas mal avancé dans le temps et il y avait un manque de souciance, hein, si on peut le dire comme ça. Ah, et c'est ce qui fait qu'on est rendu là aujourd'hui. Mais d'ailleurs, c'est ce qui fait qu'on ne doit pas être insouciant, mais vraiment pas. C'est urgent. Fred, COP 27, là, il y a COP 15, il y a COP Cake, c'est ça devient raconte-nous un peu ce que c'est exactement, ce que c'est. Ben, le COP 20, la COP 27, en fait, hein, c'est le 27 parce, la 27 parce que c'est la 27e conférence des Nations Unies sur le changement climatique, dans le fond. C'est pour ça le 27. Puis tu parlais aussi, il y a le COP 15, hein, mais c'est pas la même affaire. Le COP 15, la COP 15, hein, va avoir lieu à Montréal du 7 au 19 décembre. Puis ça, c'est pour la biodiversité. Donc, c'est sûr que c'est lié à quelque part, là, mais dans le fond, c'est plus pour préserver les espèces marines, etc., donc, qui évidemment disparaissent là, à vue d'œil très rapidement. Je ne veux pas te couper, j'ai une question. 27, ça veut dire que ça fait 27 ans en ligne que ça se fait? Non, c'est ça. C'est peut-être ça, je suis pas allé jusque-là, là, mais moi au début, je pensais que c'était comme le nombre de nations, le 27, mais non, effectivement, c'est juste le nombre, c'est rendu à la 27e, en fait. Ben oui, mais c'est comme, peu importe, même si c'était subséquent ou si ce ne l'était pas, il y en demeure pour moi que ça fait 27 fois. 27 fois, c'est ça ma question. Puis, tu parlais du Canada, hein. Évidemment, tu avais l'air à croire qu'on est très, très bon, là, en termes d'environnement, mais en fait, c'est très faux, puis ce qui est, ça va être plate pour Stephen Guilbeault, hein, parce que lui, il est rendu ministre de l'Environnement, et puis aussi, il a milité longtemps avec Greenpeace, tout ça, évidemment, quand t'es en politique, là, c'est peut-être plus difficile de faire avancer les choses que quand t'es, en tout cas, tu peux faire moins de coups d'éclat, tout ça, que quand t'es dans Greenpeace. Par contre, Fred, quand tu es Guilbeault et que tu revendiques, et c'est normal de vouloir revendiquer si tu dis que ton pays en fait pas assez. Ouais, ben, il y a raison, à quelque part, parce qu'en fait, le Canada, on pollue extrêmement, en fait, à cause de quoi, d'après vous? Ah, ben, à cause du pétrole. On est des très grands producteurs de pétrole, hein, l'Alberta, Saskatchewan, tout ça. Donc, même que, en fait, là, c'est plate à dire, mais on est le quatrième pays producteur de pétrole, en fait, au monde. Donc, c'est difficile, là, d'arrêter tout ça d'un seul coup puis devenir non polluant, là. Il y a des coûts monétaires à travers ça. Là, en fait, ce qui est plate, c'est qu'en termes de GES, là, gaz à effet de serre, on est juste en dessous de l'Arabie Saoudite. Fait que c'est pas... c'est à cause des sorbitures. Ouais, ben oui, c'est extrêmement polluant, ça, là, effectivement. Donc, tu sais, on veut en faire plus, mais le Canada, tu sais, on veut se placer sur l'échiquier mondial par rapport à ça, mais avec le pétrole, ça devient compliqué. Là, au Québec, on n'a pas de pétrole. Fait que... Bon, on n'a pas, mais en tout cas, ça, c'est un autre débat, tu sais. Parce que la péréquation, tu sais, les Québécois, on se dit on est vert, tout ça, on veut pas polluer, mais quand on reçoit notre, je sais pas combien de millions de péréquations qui vient du pétrole, ben on est content. On dit pas non, c'est ça. Ben c'est ça, tu sais, c'est plein de paradoxes, cette histoire-là. Tu sais, on veut tous. Faisait comme Céline qui refusait son trophée parce qu'elle dit non. Je dis, on ferait comme waouh, quel mérite, mais on n'a pas cette audace ou c'est ça. Ben, effectivement, on veut tous aller pour l'environnement, mais tu sais, est-ce qu'on veut se promener en vélo? On veut-tu laisser nos voitures? C'est ça. Mais c'est un très beau regard sur l'impact que ça a. Et aussi, Fred, ce que j'aime de ton affaire, c'est que ce ne sont pas que des titres de journaux ou des associations, des gouvernements. C'est aussi notre rôle à nous tous. Oui, ben c'est ça qu'on a à jouer. Ouais, ben c'est justement moi ce qui me fait peur un peu, c'est quand c'est rattaché à l'ONU, souvent ça avance pas. T'sais. C'est tout, bon, les pays se ramassent ensemble, t'sais, ça parle tout ça, mais après ça, pour aller vers l'action, ça devient peut-être plus compliqué des fois là. Les enjeux économiques là, qui jouent à travers tout ça. Ouais, puis moi je vais en ligner avec justement. Moi j'avais envie d'aller dans l'ordre parlant de l'environnement. En fait. On sait que 97% des études prouvent que les changements climatiques existent, puis que les activités humaines sont en partie responsables. Ça, ce sont des chiffres. Et les scientifiques sont de plus en plus inquiets et demandent d'agir dans les mesures politiques qui soient prises, demandent d'agir. Mais le problème, c'est qu'il y a plein de nos dirigeants politiques
qui ne sont pas convaincus. Et ça, c'est grave. Parce que même si tu prends Guilbeault, si le reste des gens qui l'entourent, qui sont des décideurs, sont pas autant convaincus ou encore qui sont bien corrompus par le pétrole ou d'autres choses, ça devient difficile. Mais si je vous parlais précisément des environnements, les climato-sceptiques, là, à travers les politiciens, Trump, notamment, on en a déjà parlé. Trump en est un bon exemple. On en a parlé ici, d'ailleurs. Et lui avait déjà dit, qu'est-ce qui se passe avec le système, le réchauffement climatique? Il dit que ça existe pas, ça. Quand il dit ça, il sème le doute. Poutine a dit la même chose. Il dit, c'est impossible d'empêcher le réchauffement climatique. Il disait, la question, il dit, c'est simplement, il faut s'adapter. Écoutez, ça a été dit par des dirigeants. Et ça, c'est sans compter l'ex-premier ministre Stephen Harper, qui avait déjà déclaré que Kyoto était un complot socialiste. Ouais, alors là, tu fais comme, c'est nos dirigeants, comment veux-tu? Alors, moi, je pense, je suis parti du mot complot par rapport à l'environnement, et je me suis dit que les complotistes en mènent large, hein, avec Cannon aux États-Unis, ça devient de plus en plus, ça devient plus inquiétant. On se demande, je veux dire, écoute, eux autres, ils ont sorti qu'il y avait un réseau qu'il existait un réseau d'enlèvement d'enfants, et donc, je me suis arrêté aux complotistes. Et j'ai décidé de partir des complotistes et d'aller coller ça à une toune qui est une des plus populaires de l'année, qui est Fouki. Hein, il s'appelle, je pense, c'est ça, Fouki. Oui, c'est ça. Alors, on va écouter cette petite parodie qui parle de complotisme. Des images troublantes qui alimentent les thèses complotistes. La COVID est une conspiration pour mettre la population au pas. QAnon, mouvement complotiste américain qui fait de plus en plus d'adeptes, au point d'être classé menace terroriste par le FBI. Bill Gates avec ses puces 5G. Le 11 septembre, c'est inventé. Ah bon, c'est infini tout ce qu'il complote. Ceux qui dirigent sont des extraterrestres. Donald Trump serait un reptile. Arrête, j'ai peur. Pour éliminer du monde, on crie le sida. J'avoue que je finis par plus savoir. Ma blonde a dit qu'il faut y croire. Brainwashing, ça me rend down. Le fluor dans l'eau va nous empoisonner. Fait que l'eau, j'arrête d'en prendre. J'ai de la misère à comprendre qu'Elvis a assassiné le président Kennedy. J'suis mêlé là. C'est-tu vrai tout ça? Moi je sais pas. Est-ce que j'suis en train de virer fucké? Ça doit pas être faux si tout le monde y croit. Les cons conspirationnistes. Il y avait là un troupeau d'éléphants. Il y avait peut-être 200 éléphants. Clink, clac, 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 200 éléphants jonchaient le sol. Attention les sceptiques! Conspirationnistes. Oh oh! Sont pas bien, sont pas bien, sont pas bien, c'est débile. Leurs théories font leur chemin. Ha! Écoute bien celle-là. Pète pis répète, ont jamais sauté à l'eau. Le but d'Alain Côté, c'est d'arranger et disent la terre est plate. Mais moins plate que les reprises de Symphorien. C'est des ratés, illuminés. Si jamais nos cerveaux flanchent et qu'on perd notre intelligence. Alors tout le monde deviendra complotiste, vive la démence. Les sceptiques seront complotistes. Radio Luminale. Alors, il n'est pas complotiste, non, c'est Fred qui ne tente pas de nous faire croire que c'est pas bon. Au contraire, il veut qu'elle soit bonne, sa bière, et c'est comme ça chaque semaine. Et là, c'est une brune aux noix. Exactement. C'est à l'affût. C'est fait à Saint-Tite, hein, le festival western de Saint-Tite. Mm-hmm. On n'aurait pas en parlé quand on a parlé de cette bière-là, ça aurait été pas pire. Mais bon, ce que j'aime, là, c'est que leur canette, là, je vais le mettre, hein, c'est vraiment, l'illustrateur est vraiment incroyable. Vous voyez un chien avec des saucisses dans la bouche. Évidemment, là-bas, là, à la microbrasserie, on peut aller manger là aussi. Puis c'est évidemment. J'y suis déjà allé en passant. Ah ouais, hein, apparemment. En tout cas, ce que j'ai vu, là, je suis pas allé, mais apparemment, que ça a l'air d'un saloon. Là. C'est, wow, est-ce le cas? Non, c'est beau, c'est bon. Oui. La bière est bonne, ça, je peux te le dire. Oui. Ben c'est ça, j'ai hâte de goûter la brune aux noix. Hein. Il existe aussi une double brune aux noix. Ça va être toi Rémi, t'aimes beaucoup savoir le taux d'alcool. Donc la brune aux noix est à 4,7%, mais la double brune, ils ont inversé, c'est 7,4. Fait que ça, c'est pour ceux qui aiment les hautes teneurs en alcool.
Ce que j'ai peur, j'y ai pas goûté encore, ce que j'ai peur, c'est que ça goûte le café. Les brunes, souvent, je trouve qu'ils goûtent un petit peu trop le café. Fait que brune aux noix, j'ose imaginer qu'on va goûter les noix. Donc, j'y vais pour goût. Ah oui, un petit goût de noix grillée, effectivement. Pas de goût de café du tout. Je la suggère, hein. Je sais pas si c'est ce que tu avais bu quand t'es allé, mais c'est vraiment très bon, en tout cas, là. Vraiment, okay. Là, vraiment, vraiment, vraiment. Ils ont enlevé bon, les cailles ou les noix. Non, ouais, non. Effectivement. Goûter à ça, c'est vraiment, puis si quelqu'un goûte aussi à la double brune aux noix, voir, pour nous écrire, pour nous en parler. Exact. Merci à ces gens de Saint-Tite qui sont fort accueillants également. Alors, le troisième sujet, c'est, bon, évidemment, Julien Lacroix. Il y a eu des rebondissements parce qu'un nouvel article avec ces mêmes, enfin, ou à peu près les mêmes personnes qui avaient témoigné, en fait, qui avaient recueilli les témoignages, les journalistes, ont décidé de revenir à la charge et de dire, non, ben finalement, il y en a qui sont déçus d'avoir témoigné. En fait, vous avez tous vu ces nouvelles-là dans l'actualité. Et pour ajouter à notre table aujourd'hui, ben, il y a Fred Dubé, un humoriste fait que je connais pas beaucoup, mais je sais qu'il est très actif et très populaire en humour, ben, que lui, oups, on vient de le dénoncer. Alors, qu'est-ce qu'on pense de tout ça? Si je me lance en premier, les boys, moi, ce que je trouve triste, c'est que aujourd'hui, là, à travers tout ce qu'on a pu lire là, cette semaine, c'est que Julien Lacroix ou que d'autres accusés qui ont été accusés et qu'on réalise aujourd'hui qui ont été victimes d'injustice, à quel égard et quel degré, bon, lorsqu'ils ont eu leurs aventures, quelle est la notion du degré de consentement qui sera toujours très difficile à définir, parce que Weinstein aux États-Unis, c'est ce que les avocats de Weinstein tentent de faire avec la couronne, à savoir de, OK, c'est quoi la notion de consentement? Hey, ça devient difficile. Mais alors qu'on n'a pas encore réglé cette problématique-là au niveau des tribunaux, ben, les réseaux sociaux, eux autres, ils l'ont réglé, hein, parce que tout de suite, quand il arrive quelque chose, ça y est, ça s'en va, ça s'en va à la une des réseaux sociaux. Mais ce qui, moi, m'agace beaucoup, c'est que je trouve, et ça m'a, je vous le dis, ça me fâche, c'est de voir que on est à travers tout ça, on est aussi dans une guerre du quatrième pouvoir. Le quatrième pouvoir étant les médias, mais là, il y a une guerre entre les médias. Et il y a clairement une guerre entre le Journal de Montréal et la presse, et un peu Le Devoir qui se mêle là-dedans, parce que là, c'est la question de dire, qui est le pas fin? Ah, ben, votre enquête, là, vous aviez pas vérifié, et là, ça y est, ça, c'est l'autre journal qui se lance. Et à travers cette guerre-là, que l'on peut ne pas apercevoir, mais que moi, je vois très bien, à travers tout ça, il y a des boucs émissaires, il y a des gens qui acceptent de témoigner, et puis qui finalement on se sert d'eux comme des torchons, et c'est autant une forme, je pense, de non-respect que d'une violence sexuelle, que de ne pas respecter ce qu'une parole a été dite pour un journal parce qu'on veut vendre la copie. Écoute, c'est pas comment il s'appelait donc le journaliste François Bougingo. François Bougingo. Je dis, c'est-tu quelqu'un qui veut ça y est, elle a été victime, elle a été sauvagement attaquée, alors que la fille a probablement même pas dit ça. Moi, ce que je dis, c'est que ce qui nous reste comme individus dans notre société, hein, ce qui nous reste de pouvoir, c'est l'intime. Et on en parlait tantôt avec le hockey, avec le gag de Jean-Guy qui dit « ça vous regarde pas quand j'ai vomi dans Zamboni ». Mais c'est un peu ça que j'ai envie de dire aux gens de réseaux sociaux aujourd'hui, aux jeunes et puis à tous ceux qui se pointent puis qui disent « oh, j'ai été mal interprété ». Gardez-vous donc une part d'intime. Il y a tellement d'affaires qui n'ont pas à être dites. Et ceux qui ont envie de dénoncer, cibole, il y a des tribunaux pour ça. C'est Fred, ça. Qu'est-ce que tu penses? Ouais, tout à fait. Tu sais, c'est drôle avec les réseaux sociaux justement. On a tout de suite là, tout le monde va croire les victimes. Tu sais, puis c'est pas ça la justice là quelque part. Hein. Il y a deux parties. Il faut que ça aille devant les tribunaux. Julien Lacroix, là, ça a scrappé sa carrière. Que ce soit vrai ou pas, c'est pas là la question. Tu sais, il faut que ça aille devant les tribunaux. Il faut prouver des faits pour accuser quelqu'un. Là. Ça se fait pas ça. D'ailleurs, là, c'est ce que ça donne. Hein. Il y a des gens qui se rétractent. Là, c'est vraiment du lynchage public. Là, la chasse aux sorcières. Puis il y a toute aussi l'histoire autour des je veux dire, c'est toutes des vedettes à quelque part, hein. Ça me fait penser à Michael Jackson. Il faut faire un peu la différence, je crois, entre l'œuvre et l'auteur. Puis c'est ce qu'on fait pas, tu sais. On ne fait pas ça. Tu parlais tantôt de Fred Dubé, là. Je suis pas mal certain qu'il y a pas mal de monde qui savent même pas c'est qui. Puis là, subitement, dans front page, Dubé a violé ci et ça. C'est ça. Fait que là, tu connais le gars. Parce qu'il a violé, tu sais. Ouais, tu sais après que c'est un humoriste. Ça marche pas, là. Fait qu'à un moment donné,
Là où j'ai un problème aussi, Fred, puis ça, on touche un point là. Là où j'ai un problème, je reviens encore à cette notion de journaux établis. Hein? Je ne dis pas les réseaux sociaux, là. Les journaux établis. Comment se fait-il que nos journaux, la presse Devoir, puis Journal de Montréal, Journal de Québec, comment ça se fait qu'ils disent « Ah, ça devrait pas être traité des réseaux sociaux ». Pourquoi eux se servent de tout ce qui est dit sur les réseaux sociaux, puis ils nous foutent ça en première page? Ben, c'est ça, exactement. Moi, là, je pense que la responsabilité, là, elle est là. Et le problème, il commence là. Quand on commence, puis je veux dire, je vois ça dans le Journal de Montréal non-stop, de parler comme « Ah, ben, elle vend ses implants à ma mère pour une fille qui était dans l'avion Sunwing ». Ouais. Hey, moi, je l'aurais pas lu. Moi, je l'aurais pas su, mais ils me le foutent en première page. Puis ces mêmes journalistes-là vont venir dire, ça n'a pas d'allure les réseaux sociaux, le monde devrait garder une gêne. Mais oui, mais si bol, la minute qu'il dit quelque chose, vous le foutez en première page. Vous avez une sacrée responsabilité. C'est du journalisme d'opinion maintenant. Il n'y a plus du vrai journaliste où tu vas hein, fouiller là, puis aller chercher vraiment les faits. T'sais. C'est ça, tu lis ça, puis c'est vraiment... Exact. Puis à quelque part, tu parles des réseaux... C'est que ça va tellement vite avec les réseaux sociaux qu'ils sont plus dans le game, là, les journaux. Tout est sorti avant... Tout sort, là. Toi, t'écris ton affaire, ça sort le lendemain dans les journaux. Hey, ça fait déjà longtemps là pour les médias sociaux. C'est la course au scoop. Et à cette heure, le quatrième pouvoir, ben il y a pas juste les médias établis, il y a les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux sont plus rapides. Alors, on vient un peu à Allopolis. Allopolis, c'est extrêmement dangereux, là, Alain, puis Rémi, parce qu'à quelque part, les réseaux sociaux deviennent extrêmement importants dans l'opinion. C'est pour ça, hein, avec Twitter, là, l'autre, là, il a acheté Twitter, puis il veut amener Trump parce que... Mais c'est extrêmement dangereux faire ça, mais lui, il pense juste à son cash, je dirais, ça me prend ce gars-là, tu sais. Oui, c'est le monsieur démagogie. Alors finalement, on va être capable de créer. Et c'est ce qu'ils veulent, eux. Ils veulent avoir plus de pouvoir. Et on le sait, nos médias traditionnels sont aussi à la merci de ce pouvoir immense qu'a le peuple d'avoir un médium, mais le peuple peut aussi s'autodétruire. Je comprends pas, moi, pourquoi c'est rendu... L'intimité, là, c'est un privilège. Exactement. Pourquoi tu le conserves pas, tu le gardes pas? C'est tout le temps obligé de... d'afficher partout. C'est ce que j'ai toujours aimé des années 50. Je sais que ça a l'air bizarre à dire, mais c'est vrai, il y a quelque chose. Il y avait, je sais que ça peut avoir l'air con, mais je veux dire, bon, les années de Sinatra, c'était ça aussi. Il y a quand même quelque chose qu'il y avait de beau, de galanterie, de respect, de ci, puis ça. Il y avait quand même ça un peu plus qu'on a aujourd'hui, mais ça se perd. Alors, je trouve que... Je veux dire, je pense qu'il faut y aller avec l'intime, mais il faut aussi être capable d'apprendre à nos jeunes comment on peut être capable de réserver, de se réserver, de pas tout dire, de pas tout faire. Rémi, c'est un peu la façon que tu avais envie d'aborder le sujet, tout pour le colorer un peu, en disant l'éducation. Oui, puis tu sais, il y a une série marquante qui est encore d'actualité. Ils l'ont fait encore Passe-partout, tu sais, qui était encore... fait que Passe-partout, il éduque les gens. Fait que je me suis dit, bon, comme Fred disait tantôt, comme toi aussi, tu disais, on dit tout ça, faudrait-tu dire ça, les tribunaux, les journaux, comment ça se fait? Fait que je me suis dit, regarde, là, faut faire attention à tout ça, puis on se garde une petite gêne, puis on va s'éduquer un petit peu. Tiens. Parfait. Suis pas trop tes émotions, surtout sur les réseaux sociaux. Accuse pas trop, surtout pas de gros mots, et n'accuse pas dans les journaux. Les médias sociaux, ce n'est pas propre pour régler ses comptes et passer la mop. Tu devrais te fier aux tribunaux, problèmes matrimoniaux ou pontificaux. Suis pas trop tes émotions, surtout sur les médias sociaux. Accuse pas trop, surtout pas de gros mots. Si t'as pas de preuves, fais pas le saligo. Wow, que c'est le fun, ce Rémi. Alors, quand tu vas me chercher des rimes pontificaux, là, je savais que tu l'aimerais, celle-là. Non, ça, c'est vraiment mon genre d'écriture. Écoutez, les amis, on espère, vous tous, que ça vous a plu, notre podcast Radio Luminol, Alain Dumas, Rémi Tremblay et Fred Desjardins. On va profiter de cette fin de podcast, évidemment, pour vous inviter la semaine prochaine, mais aussi pour vous inviter à notre spécial de fin d'année. On prépare ça depuis un sacré bout de temps. On pense qu'on est très
très bien préparé parce que on arrivera au 31 décembre et on aura couvert l'actualité toute l'année. Alors, on a décidé de faire un spécial qui s'appelle Au revoir 2022. Alors, on va vous inviter à être des nôtres, ceux qui pourront, mais surtout de bien capter cet humour-là qu'on va diffuser, bien sûr, un peu partout au Québec. Au revoir 2022, Radio Luminol vous aura à l'œil en 2023. Au revoir, Radio Luminol, un regard coloré sur l'actualité.